Coucou, salut à tout le monde, j'espère qu'on me suit très bien. Eh bien, nous allons passer très rapidement au tirage du 30 décembre 2021, d'accord? Je veux bien commencer ce tirage par une pensée, d'accord? Des guides de vie pour vous. Très rapidement, d'accord? Nous allons voir quelle est cette pensée que nous pouvons avoir très rapidement pour la journée du 31-2020. Alors, cher guide, s'il vous plaît, passez-nous un message. Un message. En tout cas, moi, je vais essayer juste de couper. Alors, qu'est-ce qu'on nous passe comme message ici? Quand on est trois, on est déjà un de trop, d'accord? Alors, on te dit que dans le mariage, Dieu est la tierce personne qui vous aidera à surmonter les moments difficiles et à faire des bons moments, des instants de pur bonheur. Alors, on te demande juste ici, d'accord, de mettre Dieu devant, de mettre Dieu dans ta situation, dans ton mariage, dans ta vie de couple, dans ton union. Actuellement, si entre-temps tu traverses des situations qui... je ne sais pas, d'accord, des situations, bien des préoccupations dans ton foyer, on te demande juste ici de mettre Dieu devant ta situation et tout va s'arranger, d'accord? Un grand nombre de personnes se laissent décourager par le heureux et le échec, d'accord, au point de revoir à la baisse leurs objectifs ou de les abandonner purement et simplement. Certains, tu avais eu à traverser des erreurs, tu avais eu à commettre des erreurs plutôt, des situations douloureuses, d'accord, tu avais eu à connaître peut-être des échecs, on te demande de les oublier derrière, d'accord, et d'avancer quand même, hein? D'avancer quand même, n'abandonne rien. Si entre-temps, dans ta relation, ça n'a pas marché, d'accord, avec peut-être celui ou l'homme de ta vie ou bien la femme de ta vie, on te dit aujourd'hui, si tu as cette opportunité de repartir à zéro avec cette personne, il faut le faire. Oublie les erreurs passées, oublie les échecs passés, fais-toi confiance à nouveau, hein. Mais quand quelqu'un leur montre qu'il y a foi en eux et que les encourage à tourner la page, les voilà tous inspirés à retenter leur chance, d'accord? Donc, vous devriez tourner la page. On te demande juste de tourner la page et de passer à l'essentiel parce que c'est en tournant la page, d'accord, que tu seras mieux inspiré et que tu vas pouvoir retenter ta chance. Et c'est en retentant ta chance que les bonnes choses viendront vers toi, que les portes vont s'ouvrir pour toi et que tu auras cette surprise peut-être que tu n'attends pas. D'accord, on y va. Alors, quels sont les messages pour nous pour la journée du 31-2021? Alors, chez Guide, s'il vous plaît, quels sont les messages pour nous pour la journée du 31-2021? On te demande de mettre Dieu devant dans ta situation. Si tu es nouveau ou bien si tu viens de tomber sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, s'il te plaît. Abonne-toi, d'accord? Abonne-toi à ma chaîne. Et appuie sur la chaîne, sur la cloche de notification, ça va t'aider, d'accord, à me suivre chaque jour, toutes les minutes, peut-être les heures, d'accord. J'ai de jolis messages pour toi, de la part de tes aïeux, de la part de tes ancêtres, de la part de l'univers. Si tu y crois, parce que la lumière, avec moi c'est la lumière, tu vas toujours remarquer la lumière allumée. D'accord? C'est la lumière. Tu restes dans la lumière, tu restes positif, tu y crois. Et puis, tu vas voir. Tu vas voir, ça c'est clair. D'accord? Alors, je vois ici que le 30 décembre 2021, d'accord, tu auras des nouvelles. Tu auras une rencontre ou bien il y aura quand même... Je vois ici quand même qu'il y a une rencontre qui est prévue pour toi, mais qui sera retardée. Qui sera retardée, ça peut ne pas tenir le 30 décembre. Ça peut venir un peu tardivement, peut-être au début de la nouvelle année, d'accord? Parce que là, je vois que c'est bien prévu pour toi, c'est un truc d'amont, d'accord? Mais qui va retarder. Alors, on voit ici que c'est peut-être une rencontre avec une femme. Une femme un peu plus jeune que toi, d'accord? Une femme qui porte des secrets sur toi. Une femme... d'accord, qui a eu à faire des choses sous ton dos, des choses peut-être que tu ne sais pas, des choses pas bonnes, d'accord, des choses qui ont été faites dans la nuit noire, des choses qui ont été faites en cachette sur ta vie. Je vois que c'est une femme en séparation.
c'est une femme qui est en train d'être ou bien de se divorcer. Je vois que c'est une femme qui t'a beaucoup manipulé. C'est une femme manipulatrice. Elle te voit comme étant une femme indépendante. C'est une femme qui te voit comme étant une femme active, comme une femme, comme une belle femme, d'accord? Elle te voit comme une femme de cœur, d'accord? Elle te voit comme étant une femme qui a de la chance, d'accord? Et c'est une femme qui te voit heureux aux côtés d'un homme, d'accord? C'est une femme qui te voit heureuse plutôt aux côtés d'un homme, parce que je vois ici qu'elle pressent, d'accord, que tu y a un homme qui t'aime beaucoup, d'accord? Elle voit ici qu'il y a un homme qui t'aime beaucoup et elle t'a beaucoup manipulé ou bien elle vous a beaucoup manipulé. Je vois qu'elle a causé beaucoup de soucis à cet homme, elle a causé beaucoup de difficultés, d'accord, à cet homme et elle a eu à faire beaucoup de choses dans ton dos, d'accord? Et cette femme va venir vers toi. Elle va venir vers toi, elle va chercher à te rencontrer, d'accord? Ça va accuser un peu de retard peut-être, néanmoins, elle va chercher à te rencontrer. Et parce qu'elle ne se sent pas bien, je pense qu'il y a un divorce qui est prononcé pour elle, il y a une séparation qui est prononcée pour elle. Et certainement qu'elle viendra avec toi pour négocier avec toi. Fais très attention, ma chérie, c'est une femme très dangereuse, hein, qui n'a pas de bon cœur. Elle viendra peut-être dire des choses qui ne tiennent pas la route. Et ça sera juste encore pour te manipuler, ça sera juste encore pour te faire du mal peut-être. Parce qu'elle est en train de voir ton bonheur, elle ne veut pas accepter ton bonheur. D'accord? Elle ne veut pas accepter ton bonheur, du tout pas. D'accord? Je vois ici que c'est une femme qui était mariée. C'est une femme qui était mariée. D'accord, elle était mariée, elle était dans son foyer. D'accord, c'est une femme qui était dans son foyer, qui était mariée avec peut-être ton homme. D'accord, et aujourd'hui, elle est en train de te voir partir avec son homme. Elle est en train de voir que ton homme part avec toi en mariage, part avec toi en union, part avec toi pour une stabilité maritale, pour un bonheur, pour une joie. Et du coup, elle ne l'admet pas. Elle ne l'admet pas. Ou je vois ici aussi que tu es en train de partir aussi pour une stabilité sentimentale. Tu es en train de partir pour un mariage ou bien pour une union. D'accord? On te dit ici que c'est une femme qui est peut-être actuellement ou bien qui porte actuellement des bébés. D'accord? C'est une femme qui peut être enceinte actuellement, je ne sais pas, ou bien elle a envie de porter des bébés, d'accord? Ou bien elle a des enfants. Peut-être qu'elle a des enfants, mais elle est encore actuellement en état, ou bien elle tient à en porter. D'accord? On voit ici quand même que il y aura une rencontre amoureuse pour toi. Il y aura une rencontre amoureuse pour toi. Peut-être que c'est cette rencontre qu'elle cherche à empêcher. On voit ici que quelqu'un est amoureux de toi. D'accord? Et c'est avec cette personne qui va partir. Voilà, il est là, hein? Monsieur est là. C'est quelqu'un, je vois, quelqu'un très sévère, de très sévère, d'un niveau hein, élevé. Quelqu'un qui est peut-être dans les médecines. C'est peut-être quelqu'un qui est un avocat, un député, quelqu'un quand même qui tranche, hein, d'accord? Voilà, quelqu'un qui va se décider à être avec toi, hein, qui, ça dit, qui va trancher, qui va trancher, qui va dire, c'est avec toi, je veux être, je t'épouse, je te mets au foyer, tu es ma femme, tu es mon épouse, voilà. Oh non, 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 trop de cartes, s'il vous plaît, chérie, trop de cartes. Voilà, bon, on voit que c'est quelqu'un qui va t'apporter des nouvelles, avec qui tu auras la réussite. C'est vrai, tu seras un peu contrarié, peut-être pas une autre aussi femme qui est ici. Il y a une autre femme aussi qui va te mélanger un peu. Peut-être là, je vois que c'est une femme un peu âgée qui est peut-être qui n'est pas en mariage ou bien qui, ça dit, qui ne se sent pas bien dans son couple. Mais c'est une femme qui se sent seule, d'accord? Elle va beaucoup te mélanger un peu et c'est elle qui va te contrarier un peu. Néanmoins, on dit que tu as la victoire sur elle. Tu auras de très bonnes nouvelles sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan professionnel. Tu auras une élévation, d'accord? D'accord. Donc, je vais prendre encore juste deux cartes.
juste deux cartes, s'il vous plaît, chez guide, pour la journée du 30 décembre 2021. Juste deux cartes, s'il vous plaît, chez guide. Ok, encore, s'il vous plaît, encore. Ok, on te dit que c'est quelqu'un qui va t'apporter une stabilité au foyer, quelqu'un qui va te mettre au foyer, avec qui tu vas avoir des enfants, d'accord? Tu auras des nouvelles de cette personne, c'est une personne qui t'aime beaucoup, d'accord? On te dit que tu auras la victoire, hein? Tu auras la victoire sur ça. Tu auras la réussite totale avec ce dernier, d'accord? Je vois ici que il y a une de tes belles sœurs qui va beaucoup t'aimer, ou bien une de tes sœurs qui t'aime beaucoup, d'accord? Qui va te soutenir dans cette situation, d'accord? Alors, je pense que la nouvelle pour le 30 décembre, c'est qu'il y a une femme qui vient vers toi, d'accord? Pour venir te dévoiler tout ce qu'elle a eu à faire sur toi. C'est une femme qui n'a pas du tout de bon cœur, qui a eu à faire des choses mauvais sur toi, des choses qui ne conviennent du tout pas, d'accord? Des choses sournoises, d'accord? Qui a eu à avoir des idées mauvaises sur toi. Et actuellement, elle se sent, d'accord? Peut-être que c'est le retour du bâton, hein? Elle se sent en séparation, elle se sent divorcée, elle se sent être en train de perdre son homme. Et c'est peut-être à cause de ça, elle va vouloir venir te rencontrer, d'accord? Elle peut ne pas venir te rencontrer, mais de loin, elle voit quand même, d'accord, que tu es en train de partir avec son homme, tu es en train de partir, et elle voit cet homme comme étant un bon homme, elle voit cet homme comme étant un homme de cœur, elle voit cet homme comme étant un homme bienveillant. Donc pour elle, tu es en train de partir avec une belle personne, d'accord? Du coup, ça lui cause beaucoup de tort, ça lui cause beaucoup de soucis, elle n'aimerait pas voir ça, d'accord? Elle te voit déjà de loin comme étant l'épouse de cet homme, elle te voit déjà de loin comme étant, c'est une femme qui voit de loin, elle te voit de loin comme étant déjà une femme qui part en mariage avec cet homme, parce qu'elle voit que tu vas être avec cet homme. Du coup, elle force, d'accord, elle force une grossesse avec cet homme actuellement pour le retenir, ou bien elle est déjà même enceinte de cet homme, d'accord. Elle voit que cet homme va partir pour aller te rencontrer, parce que cet homme te porte dans ses pensées, cet homme t'aime beaucoup, elle le sait, d'accord. Elle sait que c'est un homme qui peut trancher du jour au lendemain, c'est un homme qui peut se décider du jour au lendemain. Du coup, elle fait un effort de maintenir son foyer, d'accord. Elle fait un effort de maintenir cet homme dans son foyer, et elle sait qu'avec toi, d'accord, cet homme aimerait avoir des enfants, d'accord. Elle y pense, d'accord. Elle sait que c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup. Du coup, on voit ici que c'est quelqu'un, c'est un homme réellement qui tranche beaucoup, qui est dans la loi, qui va te proposer une union, qui va partir au foyer avec toi, qui a des pensées amoureuses pour toi, qui viendra te rencontrer pour de l'amour, d'accord, et qui va se stabiliser avec toi. On te dit que tu as la victoire sur ça. Voilà le message pour toi pour le 30 décembre 2021. Merci beaucoup, chers amis. Merci, chers consultantes ou chers consultants, de m'avoir suivi et de m'avoir écouté. Alors, je te souhaite le meilleur pour la journée du 30.